La ville d'Ain Salah orne, telle une perle, le désert de Tidikilt. En cette belle localité loin de tout, une wahda se déroule chaque mois de mai, la wahda de Sab'in Salah, ou les 70 ans. C'est le jour où les habitants de Ain Salah commémorent l'arrivée et l'installation de Shir Ben Azi dans les lieux, le premier de tous. À l'occasion, et à la mosquée de Sab'in Salah, des conférences sont données, des ulamas, des chercheurs et les étudiants y assistent. Ceci fait partie du principal travail des Zawiya, le côté de l'apprentissage du livre saint, du Coran, faire sa prière, apprendre aux petits la lecture du Coran, et puis aussi le côté spirituel, apprendre aux gens de s'aimer, d'adorer Dieu dans une ambiance bien particulière, qu'on se mette à l'aise. Après la prière de l'Aïcha, les habitants et les gens qui viennent d'ailleurs exprès pour la ziyara dégustent un bon repas préparé par les habitants d'Oqsar al-Marabtin, les descendants directs de Shir Ben Azi. Au beau matin, un autre rituel nous interpelle. Il s'agit de peindre le mqam de Shir Ben Azi, à la chaux. Je mets de la chaux sur le mqam. C'est un rituel de fêter la wahda de Ben Azi. Chaque 1er mai, les gens viennent de partout. Et puis le soir, au cœur du quartier de Qsar al-Marabtin, le baroud donne rendez-vous aux siens. Plusieurs troupes défilent. Nous sommes en train de découvrir autre chose. On espère rentrer très enrichi. Nous sommes venus pour participer à cette ziyara. Nous sommes venus de Lagouat découvrir d'autres rituels. C'est véritablement un honneur. Une vieille tradition, cette wahda de Sab'in Salah, au cœur du Tidikilt. Une autre façon de s'aimer, de rencontrer l'autre et de partager.